Quand c'est bon, c'est bon. Je suis au nous sommes au D2 de l'European Poker Tour de Deauville. La deuxième niveau, le deuxième niveau de la journée a repris. Et je suis aux côtés d'Olivier Douce qui, lui, par contre, n'est plus sur le fil puisqu'il a été éliminé hier, malheureusement. Oui, c'est vrai que j'ai été éliminé hier. T'as essayé de faire que ça passe inaperçu, mais on t'a vu. Oui, j'aurais mieux fait de faire en sorte que ça passe inaperçu. Non, j'ai très très mal joué un coup hier quand j'étais à 41 000 qui m'a fait perdre beaucoup de jetons. Et c'est vrai qu'après, comme j'ai pas le moral et l'expérience des grands joueurs, à l'avant-dernière main, j'ai pas tilté, mais j'ai pas voulu croire quelque chose et en fait je me suis trompé. Donc mon analyse n'était pas forcément fausse, mais c'est celle d'avant où je me retrouve à un moment avec une paire de valets, relance à ma droite 900, moi 2100, la grosse blinde balance 6000, celui qui est à ma droite lâche, moi je colle, là il y a un baby flop. Et c'est là où je me pose pas la bonne question. Au baby flop, comme c'est lui qui est premier de parole puisqu'il est de grosse blinde, il met 12 000, donc il met pas loin de potes. Et la seule question que je dois me poser là, c'est où je fold, où je balance mon tapis. J'aurais peut-être dû balancer mon tapis d'ailleurs, ça aurait peut-être été mieux à ce moment-là. Et je fais que coller comme un imbécile. Et derrière, à la turn, tombe l'as qui de toute manière me fait perdre, quoi qu'il arrive, je le sais, puisque je vois plus sur As-Roi que sur autre chose. Alors peut-être qu'il avait une grosse paire, il pouvait avoir les As, les Rois, les Dames, peu importe. Mais j'ai très très mal joué ce coup-là. Et si tu veux, ce qui est terrible, c'est quand tu t'en rends compte juste après et que tu te dis mais pourquoi je n'ai pas joué comme ça, puisque mon analyse, en fait, elle est bonne. Donc voilà, c'est ce qui m'a un peu énervé. Voilà, donc je peux m'auto-flageller. Sinon, c'était sympathique. Deauville, on aime bien. Puis ça se passe pas trop mal encore pour deux de nos joueurs. Je suis très triste pour Stéphane parce que... Il n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau. Ouais. Puis il se prend des mauvais coups. Quand il flop sa quinte et que l'autre arrive à tirer son full backdoor, ça fait mal au cœur. Voilà. C'est clair. Donc là, tu vas t'inscrire, enfin, tu t'es même déjà inscrit sur un side event parce qu'il n'y a rien à faire à Deauville. Tu vas faire quel side event là ? Je vais faire le 1650 qui a l'air d'être pas mal parce qu'au départ, je crois qu'ils avaient prévu 150 joueurs. J'ai eu des infos comme quoi il y aurait presque 400 joueurs qui voudraient le faire, donc ça me semble beaucoup. Mais si on arrive jusqu'à 300, ce sera peut-être déjà pas mal aussi. Donc oui, ça peut être amusant. Ça sera il y aura un beau billet à prendre effectivement avec un tel field. Et comme tu le sais, aujourd'hui nous sommes jeudi 3 février, je crois, c'est ça, jeudi 2 février. Nous sommes un jeudi, et le jeudi, qu'est-ce qui se passe en France à part beaucoup de choses? Il se passe qu'il y a un collège de Argel en ce jeudi 2 février. As-tu des informations qui puissent nous faire plaisir? J'ai eu une information qui va pas nous faire plaisir puisque ce sera pas maintenant, mais c'est sur le prochain. Donc c'est sûr dans 2 semaines. C'est sûr dans 2 semaines, oui. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait un collège aujourd'hui d'ailleurs. Je me demande si le prochain n'est pas la semaine prochaine, si ça n'a pas été décalé, puisqu'il ne savait pas si le collège d'aujourd'hui se tiendrait, mais on m'a assuré que le prochain c'était pour nous. Donc après, ils ne sont pas obligés non plus de nous l'accorder, hein. On verra, mais on va passer en tout cas. S'il vous plaît, si vous nous regardez, messieurs de l'Argel, du collège de l'Argel, s'il vous plaît, soyez gentils. On ne fera pas d'influence sur les respectables personnes qui constituent le collège de l'Argel. Ils sauront parfaitement prendre leurs décisions, et voilà. Mais enfin, je pense que notre dossier tient la route, donc il y a... Voilà. Bon, après, s'ils ne veulent pas de nous, ils ne veulent pas de nous. On verra, on trouvera d'autres solutions, hein. Croisons les doigts. En tout cas, bonne journée à toi, et puis on te suivra quand même aussi sur le side event. Vous aussi, merci beaucoup.